on n'était pas surpris parce que nous savons que ces localités comme Sinjan, c'est ce qui est passé hier à Tanko, au fin fond donc de Bunkiline. On a une affluence de plus de 300 personnes qui sont venues se faire consulter et nous savions aussi que c'est ce que nous allions avoir ici à Sinjan. Déjà à 13h, nous sommes à 230 personnes qui sont venues se faire consulter et ce n'est que le premier cohorte. Attendons-nous véritablement à voir le même nombre dans l'après-midi? Tout ceci nous donne un aperçu sur l'urgence sanitaire des populations. Et je pense que c'est un plaidoyer que les autorités, que ce soit étatique, sanitaire et locale, doivent entendre et qu'ils financent ou qu'ils contribuent ou qu'ils mettent plus donc, de budget dans le cadre de la prise en charge sanitaire des populations. Docteur, quelles sont les pathologies qui ont été détectées depuis ce matin? Vous savez, aujourd'hui, lorsqu'on a initié ces consultations, nos professeurs, nos chers maîtres, nous ont demandé d'insister beaucoup plus sur le dépistage. Aujourd'hui, vous savez, les dépistages ont été axés sur trois pathologies, à savoir le diabète, l'hypertension artérielle et la maladie rénale chronique et les cancers, plus spécifiquement les cancers du col de l'utérus chez les femmes. Vous savez qu'il y a une décennie, ce sont les maladies transmissibles comme le VIH et l'hépatite B qui faisaient l'hécatombe dans le monde. Mais la tendance est inversée, on voit de plus en plus que les personnes décèdent dues aux maladies chroniques. Et quelle est la conséquence véritablement de cela, ou disons la cause de cela? Il l'a dit tout à l'heure, le parrain, à l'entame de son propos, c'est que ces personnes-là, d'habitude, ne connaissent pas leur statut parce qu'ils ne vont pas se faire consulter dans les structures sanitaires. C'est pourquoi cette opportunité-là a permis aujourd'hui de pouvoir détecter beaucoup de patients qui étaient hypertendus et qui ne le savaient pas. Or qu'aujourd'hui, il faut savoir qu'un patient qui est atteint d'hypertension artérielle doit se traiter à vie. Donc si ces patients-là n'étaient pas détectés précocement, d'ici un an ou deux ans, il allait faire un accident vasculaire cérébral qui peut être fatal à ces populations. Donc je pense que le sens véritablement de ces consultations est extrêmement important. Mais aussi, on a vu tout à l'heure la gériatrie, on a vu que beaucoup de patients présentaient des hypertrophies bénignes de la prostate. Donc ce sont des pathologies donc, qui touchent véritablement les personnes âgées et ça nous a permis de référer ces patients donc d'aller voir des urologues à l'hôpital de la paix de Jigenchor et à l'hôpital donc régional, et nous allons faire donc avec rigueur un suivi pour que ces patients puissent être pris en charge correctement dans ces structures sanitaires avec un plateau médical beaucoup plus élevé que ce que nous avons aujourd'hui. Méridional.